وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما ترون a été intitulé d'un titre précis pour pouvoir traiter de ce sujet et de cette fitna qui s'est répandue et qui a touché la Ummah, qui a apparu par un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qui est revenu au temps de Uthman et Ali, et qu'à chaque fois qu'ils sont exterminés, ils reviennent, jusqu'à ce que le Messie Ad-Dajjal sorte au milieu de leurs armées. Les gens de la Sunna et du consensus ont toujours été là pour éclairer, transmettre, enseigner aux musulmans la position à avoir face aux situations qui touchent la communauté. Ceci n'est pas par amour d'autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de l'attachement à exposer la vérité. Non pas pour défendre un tel ou qui que ce soit, que pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est en prenant exemple sur nos savants, dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit des savants, « وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ » Allah a pris le serment et le pacte avec ceux qui ont reçu le livre, la science, que vous allez l'exposer aux gens et vous n'allez pas la taire. C'est un devoir des savants d'exposer la vérité, puis des étudiants et de ceux qui les suivent derrière, de prendre leur exemple et d'exposer la vérité. Nous avons entendu dans les deux dernières interventions les textes sur les Khawarij, la croyance des Khawarij, certains hadiths sur les Khawarij, puis l'histoire des Khawarij, et comment aussi il y a eu des Khawarij contemporains. Mais certains vont peut-être vouloir dire, qui a dit que Daesh c'est des Khawarij? Qui dit que Daesh c'est des Khawarij? Qui dit que le Qaïda c'est des Khawarij? Qui dit que Al-Nusra, Jabhat al-Nusra, c'est des Khawarij? Qui dit que tous ces groupes-là, ce sont des Khawarij? Alors, ce que nous allons exposer dans cette intervention, premièrement, c'est la parole de certains gens de science contemporains qui les jugent explicitement de Khawarij, de Khawarij. Puis, nous allons citer certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains hasards pour voir les similitudes et les caractéristiques qui sont communes aux Khawarij anciens et aux Khawarij contemporains. Pour commencer par la parole des savants,
Nous allons commencer par la parole de Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, le mufti du royaume d'Arabie Saoudite. Hafizahullah. Il a dit, les idées extrémistes et les actes terroristes mis en exécution par les deux organisations, l'État soi-disant État islamique, c'est-à-dire Daesh et Al-Qaïda, sont l'ennemi numéro un de l'islam. Ces organisations n'ont rien à voir avec l'islam. Cheikh Saleh Al-Fawzan, membre du comité permanent, a dit « Le rôle des savants de l'islam est de les condamner, d'exposer la nullité de la voie qu'ils ont empruntée et de proclamer qu'ils méritent la mort. » Et de proclamer qu'ils méritent la mort pour pouvoir être préservés de leurs maux, pour préserver les musulmans de leur mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Khawarij, où que vous les trouviez, tuez-les. Ça, il l'a dit à propos de qui? Il l'a dit à propos de Daesh, qui sont actuellement présents en Irak et en Syrie. Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, le muhaddith de Medina, hafidha Allah. Son fils, Al-Hassan Al-Badr, lui a dit, mon père, il y a certains jeunes faibles d'esprit en Arabie qui ont été trompés et qui ont prêté allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi. Ils disent qu'il est le calife des musulmans. Alors Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidha Allah, a répondu, en fait, ces gens-là, ils ont prêté serment à Shaytan. Il a dit auparavant, quand il a été questionné sur le Qaïda, sur Al-Qaïda, certains lui ont dit, Yajir, certains disent que l'organisation de Al-Qaïda sont des Khawarij, des Khariji, et d'autres qu'ils sont des combattants, sous-entendu fitabilillah. Quel est votre avis sur cela? Le Cheikh a dit oui, c'est vrai, ce sont des combattants. Mais ce sont des combattants sur le sentier de Shaytan. Ce sont des combattants sur le sentier de Shaytan. Cheikh Saleh Al-Suhaimi, hafidhahullah, directeur du pôle de l'Aqida à l'Université islamique de Medina. Il lui a été posé comme question, certains jeunes fougueux se sont rendus en Syrie pour faire le djihad. Et ils ont rejoint l'État islamique. Ils rapportent que les rumeurs sur les tueries et la terreur qu'ils sèment ne sont pas vraies. Qu'est-ce qui est authentique au sujet de ce groupe? Qu'Allah vous accorde sa bénédiction. Cheikh a dit, ce qui est authentique, c'est que ce groupe est un groupe de Khawarij Takfiri. Il y a quelques jours, ils ont tué le fils de mon cousin maternel, prétendant qu'il avait apostasié, car lui, il s'était fait tromper et il était dans le groupe adverse, Jabhat al-Nusra. Il a dit, ces deux groupes ont tous deux pris la mauvaise voie, que ce soit al-Nusra ou Daesh. Que ce soit al-Nusra ou bien Daesh. Dans une autre allocution, Cheikh Abdel Mohsin Abbas, hafidhahullah, a dit, toutes les caractéristiques des Khawarij sont dans ces gens-là. Donc, ce sont des Khawarij. Donc, voilà maintenant des gens de science contemporains qui ont jugé explicitement ces groupes-là étant comme étant des Khawarij. Ça, c'est la première chose. Les Khawarij, ils ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il n'y a pas une secte de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit avec autant de précision, en les nommant, en les décrivant, en les détaillant comme les Khawarij. Il a parlé des sectes en général. Et d'ailleurs, le fameux hadith que l'on connaît tous sur les 73 groupes, si on le rapporte en sa totalité, c'est un hadith d'Abu Umama al-Bahili. Il était en Syrie et il a vu que les Khawarij avaient été tués.
Il a regardé et il a dit qu'Allah maudit l'Azariqa. C'est une firqa, c'est un groupe parmi les Khawarij. Qu'Allah les maudit. Puis il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a dit, pourquoi pleures-tu? Il a dit, car ils étaient musulmans, ils ont quitté l'islam. Car ils étaient musulmans, ils ont quitté l'islam. Et quand j'ai pensé à leur devenir dans l'au-delà, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme châtiment? J'ai pleuré. Puis il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Ce sont les chiens de l'enfer. Ce sont les chiens de l'enfer. La personne qui était avec lui, il a dit, est-ce que tu dis ça de ton avis? Il a dit, wallahi, je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, pas six fois, mais sept fois. Je l'ai entendu sept fois de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a cité le hadith. Les juifs se sont divisés en 71 sectes, toutes au feu sauf une. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, toutes au feu sauf une. Et cette communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Et dans cette riwaya, il a dit Al-Sawad al-A'zam, le groupe le plus grand, c'est-à-dire le groupe qui est sur la vérité, c'est lui le groupe le plus grand. Al-Jama'a. Dans une autre riwaya, Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est ceux qui sont sur la voie du groupe consensus, des gens de la Sunna, même s'ils sont en petite quantité. Et dans une autre version, dans une autre variante, ce sur quoi je suis moi ainsi que mes compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a entendu l'histoire de Zayd Khuwaysira, il a dit, il va avoir de sa descendance cette personne, des gens qui vont s'affilier à lui. Il quitte l'islam plus vite que la flèche, elle traverse sa proie. Il quitte l'islam plus rapidement que la flèche, elle traverse sa proie. C'est pour ça que certains savants ont jugé les Khawarij comme des mécréants. Et d'autres ont considéré que c'était des hérétiques innovateurs, mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à la mécréance. En réalité, même ceux qui jugent les Khawarij comme mécréants, ils ne considèrent pas tous les Khawarij comme mécréants, car il y a des degrés dans les Khawarij. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, aussi, il rapporte ça des salafs, que le Khawarij al-Qa'adiyya, ceux qui sont assis, qui parlent, ils sont pires que les Khawarij qui sortent au combat. Khawarij, ce mot il sort d'où en arabe? Khawarij, kharajou ala man. Ils sont sortis contre le gouverneur. Donc le fondement essentiel et de base des Khawarij, c'est sortir contre les gouverneurs. Il a même réussi à rapporter des salafs qu'ils appelaient toutes les sectes, tous les égarés Khawarij. Car ils disent Yajtami'ouna ala sayf. Yajtami'ouna ala sayf. Car au début, la bid'a elle commence. L'innovation elle commence par certaines innovations qui ne sont pas liées au Khuruj, mais à la fin, ils s'unissent tous autour d'une même bid'a sayf. Le combat et la révolution et la révolte et sortir contre les gouverneurs musulmans, même s'ils agissent. Donc tous les prédicateurs de la fitna qui parlent en public contre les gouverneurs, comme a fait qui Dulkhuwaysira, est-ce qu'il a fait à la révolte? Il a fait quoi? Il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète d'Allah, et le dirigeant des musulmans, en public. Il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en public. N'est-ce pas? Et aujourd'hui aussi, il y a des gens qui prennent le minbar, ou internet, ou des audios, ou bien des écrits publics, et qui critiquent les gouverneurs musulmans en public. Et après, sous prétexte que ce sont des gens qui font le charf de Kitab al-Tawhid, ou le charf de je ne sais quoi, et qui fait la da'wa soi-disant salafia, mais non, c'est pas un khariji. C'est un quoi alors? Alors,
que les gens de la Sunna sont d'accord qu'il est interdit de faire ce point-là, et qu'ils l'ont mis dans les points de la Aqida, dans les livres de croyance, dans tous les livres de la Sunna. Il parle de l'obéissance au gouverneur, même s'il frappe ton dos, même s'il prend ton argent. Même s'il a pris le pouvoir d'une manière injuste, il l'a pris d'une manière injuste, il sera jugé auprès d'Allah. Mais une fois qu'il a le pouvoir, tu lui dois obéissance en dehors de la désobéissance. Les Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à qui? À ses compagnons qui sont les meilleurs des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, vous allez mépriser votre salat à côté de leur salat. Et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'adoration. D'ailleurs, il a été rapporté dans les récits qu'ils les ont vus, ils avaient des traces de consternation. Leurs genoux étaient comme les genoux des chèvres. Ils étaient jaunes tellement ils dormaient peu et ils jeûnaient. C'est-à-dire qu'un faible d'esprit, il peut se faire tromper rapidement et facilement, aisément, par le fait que ce soit des adorateurs ou des gens qui ont un certain nombre d'adorations ou qui montrent la sunna ou qui montrent un amour pour la législation islamique. Mais en réalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils lisent le Coran alors qu'ils ne dépassent pas leur clavicule et leur gosier. C'est-à-dire qu'ils récitent le Coran, ils le lisent, mais ils n'en comprennent rien. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dépassent pas leur clavicule ou leur gosier? Parce que la compréhension, pour comprendre, il faut que ça vienne jusqu'où? Jusqu'au cœur. L'aql. La raison en islam, on ne dit pas qu'elle est dans la tête, elle est dans le cœur. Comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, n'ont-ils pas des cœurs avec lesquels ils réfléchissent? Donc c'est le cœur qui réfléchit, non pas le cerveau, comme disent les philosophes. Donc ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il va de là jusqu'à la gorge, il n'atteint pas le cœur. Ils ne le comprennent pas. Ils appellent au livre d'Allah, alors qu'ils n'ont rien à voir avec le livre d'Allah. C'est dans un hadith. Est-ce qu'ils ne font pas ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne disent pas, soi-disant, on veut juger la loi d'Allah? On veut faire appliquer la loi d'Allah? Mais il y a un qui, si tu veux faire appliquer la loi d'Allah, applique la loi d'Allah sur toi, sur tes croyants. Applique la loi d'Allah sur tes pratiques. Applique la loi d'Allah sur la voie que tu es en train de suivre. Et tu verras que tu n'es pas en train d'appliquer la loi d'Allah. C'est pour ça que certains parmi les salafs appelaient les khawarij al-murji'a. C'est eux les murji'a. Parce qu'ils ont du irja shadid sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont préservés de tout. Qu'ils sont sauvés. Ils sont murji'a avec eux-mêmes, les khawarij avec les autres. Ils ne jugent pas leurs croyances et leurs actes à eux. Est-ce qu'ils sont en concordance avec le livre d'Allah? Et si on prenait leurs croyances et si on mettait en pratique leurs règles, alors ils seraient des mécréants, car ce sont eux-mêmes qui ont désobéi au livre d'Allah. Donc la récitation de quelqu'un, ses adorations, le fait qu'il fait apparaître, qu'il dit on veut le jugement d'Allah, vous avez dû entendre ce qu'ils ont fait. Pendant la fitna à l'époque de Ali ibn Abi Talib, ils ont dit « Inil hukmu illa lillah ». Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils ont rendu mécréants Ali et Muawiyah et les Sahaba. Est-ce que ce n'est pas la même parole qui est répétée aujourd'hui? Celui qui juge par une autre loi d'Allah, c'est un mécréant. Ils sortent les mêmes paroles que les premiers Khawarij. Et les Mufassiroun, les Sahaba. Si vous regardez dans le tafsir de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, les salafs disaient quoi? Ils disaient en expliquant ce verset que les khawarij, ils ont pris ce verset, ils l'ont appliqué sur les musulmans au lieu de l'appliquer sur les mécréants. Et effectivement, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Les khawarij, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils parlent avec la meilleure des paroles de la création. C'est-à-dire leurs paroles, elles sont belles. Ils te disent le jihad, ils te disent il faut élever la parole d'Allah, ils te disent on veut la loi d'Allah, ils te disent on combat le tarot. Ça c'est des sens, c'est un sens qui touche le croyant.
car c'est ce qui anime la vie du croyant. Mais derrière ça, en réalité, derrière ces belles paroles, comme l'a dit dans le hadith, ils ont des belles paroles, mais ils ont des mauvais actes. Leurs actes, ils ne suivent pas leurs paroles. Car on a dans leurs actes qu'ils ne pratiquent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi d'eux, ils sont les pires créatures. Et il a dit, ils sont les pires dépouilles qui se trouvent sous le ciel. Ils sont les pires dépouilles, c'est-à-dire que parmi les gens qui sont tués, qui se font tuer, parmi les morts qui sont morts, tués, ce sont les pires. Et il a dit, les meilleures victimes, ce sont ceux qui se sont fait assassiner par eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je venais à les rencontrer, si je les atteindrais, je les exterminerais comme a été exterminé le peuple de Had. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ordre aux chefs des musulmans de les combattre. Et il a dit, tuez-les, car il y a une récompense le jour du jugement dernier à celui qui les tue. Bien sûr, cette responsabilité du combat, la responsabilité des peines dans l'islam est prise par les gouverneurs musulmans. Il n'est pas permis à un administré, à un simple musulman, de les mettre en pratique seul. C'est interdit. L'islam n'appelle pas à l'anarchie ou au désordre. Tout est réglementé. Le djihad, il est réglementé. Les peines, elles sont réglementées. Tout est réglementé et ce n'est pas le désordre auquel appelle l'islam. Alhamdulillah. D'ailleurs, parmi les meilleurs actes que Ali ibn Abi Talib a fait, c'est le fait de les combattre et de les exterminer. Avant cela, il a envoyé qui ? Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhu al-Abi, essayer de les combattre. Abdullah ibn Abbas, quand il l'a envoyé, il a dit, polémique avec eux avec le hadith. Car le Coran a plusieurs visages. C'est-à-dire qu'ils peuvent, si tu leur ramènes un verset, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. S'ils ne s'attachent pas à l'interprétation des Sahaba, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu al-Abi, leur a fait une remarque pertinente. Il leur a dit, ne voyez-vous pas qu'il n'y a aucun parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vous ? Soyez intelligents, vous ne voyez pas que les grands ne sont pas avec vous. Vous ne voyez pas que les savants ne sont pas avec vous. Alors tous les savants et tous les sahaba ils sont égarés et vous êtes dans la vérité. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un seul savant de la Sunna qui s'est mis du côté des Khawarij ? Non. Mais ils sont plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, Hudata ul Asnan, Sufaha ul Ahlam. Ce sont des jeunes qui ont des esprits faibles. Que des petits jeunes qui ne connaissent rien à l'islam, qui ne connaissent rien aux règles de l'islam de base, pour, encore plus pour connaître les règles de l'islam dans le djihad, et dans le califat, dans la bay'a, dans l'imara, dans la politique. Aujourd'hui, le problème est quoi ? C'est que tout le monde veut se mêler de tout ce qu'il ne maîtrise pas. Tout le monde parle de police. Tout le monde a un avis sur la stratégie à adopter dans le monde. Si un esprit, tu ne sais même pas c'est quoi la stratégie pour sortir de chez toi pour arriver au bout de la route. Tu vas nous expliquer les stratégies à adopter dans le monde entre les pays, alors que tu es ignorant des accords, des discussions qu'il y a entre eux. Tu es ignorant de tout. Tu es ignorant de cette science. Mais tu veux en parler. Les discussions de tout le monde, non, c'est ça. Oui, mais pourquoi dans tel pays comme ça, tel gouverneur il préfère comme ça, tel... Qu'est-ce que tu connais ? Ta vie à toi, t'arrives pas à la gérer. T'as trois enfants, t'arrives pas à les mettre bien dans la religion. Tes enfants et ta femme, t'arrives pas à ce qu'ils suivent l'ordre d'Allah. Toi qui es le juge, le gouverneur d'une maison. Toi, gouverneur d'une maison, t'arrives pas à faire gouverner avec la religion d'Allah dans ta maison. Et après, tu es là en train de parler comment ils vont gouverner un État et le monde entier, des millions de personnes. Et c'est pour ça que, disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, établissez l'État islamique dans vos cœurs, Allah vous l'établira sur terre. Allah vous l'établira sur terre. D'ailleurs,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils allaient sortir en tout temps. Dans un hadith sahih, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, ce sont les imams de l'égarement. Ce sont les imams de l'égarement. Et si l'épée est levée dans cette communauté, cette fitna ne s'arrêtera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons les imams de l'égarement tenus aux portes de l'enfer qui appellent les gens à l'épée. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand cette fitna, l'épée, elle sera levée, elle ne se rabaissera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci explique l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois qu'ils seront exterminés, ils repousseront, ils reviendront jusqu'à ce que l'antéchrist apparaisse au milieu de leurs armées. Jusqu'à ce que l'antéchrist, le Dajjal, apparaisse au milieu de leurs armées. Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, a dit, en parlant des Khawarij, ils ne cessent de désorganiser la société musulmane, de diviser la parole des croyants, ils lèvent l'épée contre les musulmans et s'efforcent de semer la corruption sur terre. Quant aux Khawarij et aux Shia aussi, cette description d'eux est si célèbre qu'il est inutile de le rappeler. C'est-à-dire que c'est ça, leur religion et leur caractéristique principale, c'est cela. Mettre la corruption et répandre le mal. D'ailleurs, les premières victimes des Khawarij, qui sont-ils? Les musulmans. Les premières victimes des Khawarij, qui sont-ils? Les musulmans. Ça fait presque 1400 ans que les musulmans souffrent des Khawarij. Avant que les attentats soient faits dans les pays occidentaux, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, où ils étaient faits les attentats? Dans les pays musulmans. C'est après seulement qu'ils ont été exportés dans les pays occidentaux. Si on compte le nombre de victimes musulmanes par rapport aux occidentaux, c'est un pourcentage très élevé par rapport aux non-musulmans. Donc ce sont nos ennemis à nous, avant d'être les ennemis des non-musulmans. Ce sont nos ennemis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je les rencontrerai, je les exterminerai comme le peuple de Had a été exterminé. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, en parlant du hadith d'Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, quand il a dit, ils sont les pires dépouilles sur la surface du ciel et les meilleures victimes sont celles qui ont été tuées par eux. Il a dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, cela signifie qu'ils sont plus nuisibles aux musulmans que n'importe qui. Car personne n'est plus nuisible aux musulmans qu'eux, pas même les juifs ou les chrétiens, puisqu'ils s'évertuent à tuer chaque musulman qui n'adhère pas à leur point de vue, rendant licite le sang des musulmans, leurs biens et le meurtre de leurs enfants tout en les taxant de méchants. De plus, ils considèrent cela comme un acte de dévotion en raison de la grande ignorance et leur innovation qui a causé leur égarement. Ça, c'est la parole de qui? Du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Minhaj al-Sunnah. Donc, quand on dit, quand certains frères disent, les innovateurs, ils sont plus dangereux que les juifs et les chrétiens, certains moumadiyyins et hizbiyyins, ils viennent dire, ah non, comment ça vous faites le wala pour les koufars et pas pour les musulmans? Non. Un musulman, même innovateur, on a une part d'alliance avec lui et une part de désaveu. Mais il peut être plus dangereux pour les musulmans qu'un non-musulman, même si c'est un musulman. Car sa tromperie est plus grande. Tout musulman sait qu'un juif ou un chrétien, il n'est pas sur la bonne voie, il n'est pas sur la voie de l'islam. Mais par contre, tout musulman ne sait pas que les Khawarij et les Hizbiyyin et les Tekfiriyin et les Ikhwan et toutes ces jama'at-là ne sont pas sur l'islam originel, sur la bonne voie. Donc leur danger, il est pernicieux, il est caché, il est plus dangereux, c'est pour ça qu'il est plus dangereux. Mais les Khawarij spécifiquement, car eux, leur religion, elle est sur l'épée. Leur religion, elle est sur le fait de rendre halal, licite le sang sacré. Cheikh l'Islam a dit,
Sunna sont unanimes. Écoutez bien. Ahl Sunna, ils sont unanimes quant au fait de dire que les Khawarij sont des mubtadi'a, des innovateurs égarés, et qu'il est obligatoire de les combattre conformément au texte authentique. Une des actions les plus vertueuses accomplies par le chef des croyants Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, fut de combattre les Khawarij, et ceci avec l'accord des autres compagnons. Ça, ça aussi, c'est dans Minhaj al-Sunna. Voyez. Certains vont dire, mais nous qui nous prétendons suivre les pieux prédécesseurs et la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et de l'imam Ahmad ibn Hanbal, puis de Cheikh Islam ibn Taymiyyah et de Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi, il s'est révolté contre les Ottomans. Il a pris le pouvoir de force avec la famille Saoud. Vous entendez ça, non? Bon, on va répondre à ça, l'idée. Premièrement, l'Empire ottoman n'avait pas main mise sur la région du Najd. Ils avaient main mise sur Mecca et Medina. Et non pas sur la région du Najd. La région des, les régions d'Arabie, les endroits où c'était tribal, ils avaient laissé ceci se s'autogérer par les règles des tribus. Il y avait des grandes tribus qui avaient un roi, il y avait des petites tribus qui avaient un roi. C'est comme si, on va dire, dans toutes ces régions-là, il y avait des dizaines de pays. Chaque pays avait son roi. Et aucun de ces pays-là n'avait allégeance ni n'était sous l'autorité de l'Empire ottoman. Aucun d'eux. Donc c'était des petits pays musulmans, on va dire, et l'Empire ottoman, un grand pays musulman. On est d'accord? Donc, premièrement, il n'était pas sous l'autorité des Ottomans. Ça, c'est un. Deux, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il n'a jamais appelé les gens à lui faire bay'a. Il n'a jamais établi un État. Il a fait la da'wah ila Allah. Il a enseigné et il a transmis le tawhid. Et le roi Mohammed ben Saoud a accepté sa da'wah. Lui qui était roi, il était déjà roi avant. Il était déjà roi avant. Il avait déjà des guerres avec les tribus qui étaient autour avant. Il avait déjà des pactes de paix et de guerre avant. C'est pas lié au fait que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab est venu. Quand il est venu, il a accepté sa da'wah et ils ont fait un pacte pour transmettre le tawhid. Et à partir de là, Allah lui a donné son secours. Et son état a pris le dessus sur les autres états. Vous avez compris la différence? Et ils ont été taxés de mécréants par l'Empire ottoman et par tous les savants soufis et adorateurs des tombes. Et ils leur ont interdit le hajj pendant 7 ans. Parce qu'ils les taxaient de mécréants. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé d'attaquer la Mecque. Et de la prendre. Pour pouvoir avoir accès pour le hajj. Alors qu'auparavant, ils leur ont fait da'wah, ils leur ont envoyé des savants. Ils ont envoyé un de leurs savants pour les niquer avec tous leurs savants à la Mecque. Il les a tous fait taire. Et ils sont rentrés à la Mecque, ils ont trouvé des mausolées adorés en dehors d'Allah, des danseuses et du haram répandu partout. Et ils ont rasé les mausolées et établi le tawhid. Ça n'a rien à voir avec l'état de ce Shaytan de Baghdadi, qui n'est pas un état, d'ailleurs. Et où sont les savants avec lui? Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était le savant de l'époque, c'est Cheikh l'Islam. Et ses élèves, c'était des savants. Et la famille Saoud qui était avec lui, ils sont après avec lui, c'était des savants. Comment on peut comparer un État légal à des brigands et des Khawarij? C'est comme si on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Khariji. Allahu Akbar. Mais pour mieux tromper les gens, puisqu'ils ne peuvent pas dire on est des Khawarij, il y a trop de textes sur eux. Donc ils disent quoi? On est des salafis. On fait la même da'wah que Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est un autre point. Autre chose, il est du devoir et il est permis pour un État musulman qui est voisin d'un autre État musulman qui fait des innovations ou qui fait du chiffre, il lui est même obligatoire de le combattre s'il ne veut pas délaisser ce chiffre qui est bid'ah et d'instaurer le tawhid.
Donc c'était le devoir de la famille Saoud de combattre l'Empire Ottoman. Pour pouvoir faire la da'wa aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Donc comprenez bien ça, parce que ça c'est une chouba que les khawarij et les textiles ils ramènent tout le temps. Ça c'est un point. D'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, quand justement ils ont voulu le discréditer, ils l'ont traité de khawarij. Parce qu'ils rendaient méfiants les gens qui adoraient les tombes. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, nous ne rendons mécréants que ceux que les savants ont été unanimes sur leur mécréance. Que ceux dont les savants de l'islam ont eu consensus et unanimité sur leur mécréance. Ils lui ont envoyé une lettre parce qu'il faisait des fausses, des propagandes contre lui. Pour dire, il paraît que tu rends mécréants les gens qui ne font pas l'égir vers toi. Il a dit, comment je rendrai mécréants les gens qui ne font pas l'égir vers moi, vers notre vie, alors que je ne rends pas mécréants les gens qui, par ignorance, tournent autour des tombes d'El Badawi, Abdelkader El-Jewel-Jina. Il a dit, comment? Donc, est-ce qu'on peut comparer Cheikh Mohammed Al-Wahhab et sa da'wa Mubaraka à ces ignares, barbares, qui ne suivent aucune règle de l'islam, ni aucune règle de la raison. On a pu entendre auparavant un peu l'histoire des Khawarij et le fait que leur chef idéologique de cette époque, c'était Iskoutou. Et effectivement, il a eu un grand effet sur eux. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a quelqu'un caché derrière ces Iskoutou, qui est qui a été la personne qui a inspiré ces Iskoutou, mais qui a été beaucoup moins connu que lui. Même s'il est connu, c'est Qutb a pris cette pensée, il a été lui-même le leader de cette pensée. Cette personne-là, c'est El Maoudoudi. El Maoudoudi, c'est le fondateur de Jama'a Islamiyya au Pakistan. Et c'est lui qui a premièrement commencé à sortir ces règles de Tawhid al-Hakimiyya. Il a dit que Moussa alayhi salam, il a été envoyé à Pharaon non pas pour l'appeler à adorer une divinité unique, mais pour qu'il juge avec les lois d'Allah. C'est le premier qui a sorti ces innovations, et c'est a été touché par cela, et comme il avait déjà des pensées révolutionnaires léninistes, et qu'il faisait partie des mouvements qui déprochent des loges franc-maçons, donc il n'a fait que transformer ça sous un avis islamique. Peut-être par ignorance, peut-être qu'il était sincère, mais quoi qu'il en soit, ses idées étaient des innovations et des écarts. Il ne suffit pas d'être sincère et ignorant pour qu'on valide tout ce que la personne fait. Maintenant, quel est le rapport entre ces nouveaux groupes présents, Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh et la da'wa des frères musulmans et les Khawarij? Quel est le rapport? Quelqu'un va dire quel est le rapport? Le rapport est clair. Premièrement, comme je vous ai dit, cette idée de mettre en place un califat islamique à tout prix, et non pas selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif était de répandre la da'wa. Mais eux, leur objectif, c'est le pouvoir. L'islam n'est qu'un moyen. C'est pour ça que la meilleure définition de la secte des frères musulmans, c'est de dire c'est un parti politique qui se revendique de l'islam. Ce n'est pas un groupe islamique, c'est un parti politique. Car leur objectif et leur finalité, c'est la politique. Et non pas l'islam. L'islam n'est que le moyen qu'ils ont choisi pour atteindre leurs objectifs. Donc, il faut savoir que vous avez tous entendu parler de Abu Mus'ab al-Sarqawi. Abu Mus'ab al-Sarqawi, c'était le dirigeant de l'Al-Qaïda en Irak. D'accord? C'était le dirigeant de l'Al-Qaïda en Irak. Et c'est lui le premier qui a proclamé l'État islamique d'Irak sous Al-Qaïda, qui était encore sous les ordres de qui? De Ben Laden et Ayman al-Bawahiri. En vérité, la tête pensante, c'était Ayman al-Bawahiri. Ayman al-Bawahiri, c'est un Ikhwani d'Égypte.
Et tous ceux qui allaient à la première guerre en Afghanistan, des gens qui allaient avec la fatwa des ulama, arrivaient là-bas, ils leur donnaient. Ils leur faisaient des entraînements et de l'autre côté, ils leur donnaient le livre de Abu Mohammed al-Maqdisi, Hisham al-Barfawi, sur le fait de rendre mécréant l'État saoudien. Donc les Saoudiens qui ont été là-bas, envoyés par l'Arabie, pour aider leurs frères afghans, ils sont revenus avec les idées du takfir. Et c'est à partir de là qu'après les savants et les états musulmans ont vu le mal d'envoyer aider comme ça dans les djihads, parce qu'en fin de compte ils reviennent pire, en fin de compte ils vont aider, ils reviennent, ils font du mal. C'est pour ça après ils ont changé de position. Donc Hada, Abu Mus'ab al-Zarqawi, il a fait l'état islamique en Irak. Et Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui est son chef idéologique, c'est Hisham al-Barfawi, Abu Mohammed al-Maqdisi, qui est considéré comme la quatrième tête pensante dans l'idéologie du Tekfir après ses écoutes de sa famille. Donc regardez la chaîne. Comprenez, les Khawarij, c'est trop les Ikhwan. Donc là, les Ikhwan, ils sont partout. Entre Hisham al-Barqawi, qui est le cheikh et la tête pensante idéologique d'Abu Mus'ab al-Zarqawi. D'accord ? Ayman al-Zawahiri, qui est leur chef, qui vient d'Égypte avec les idées des Ikhwan muslimis de ses écoutes. Après cela, il a envoyé en Syrie l'un de ses disciples, Abu Mohammed al-Jawlani. Donc il y avait l'État islamique en Irak, ils ont envoyé Abu Mohammed al-Jawlani en Syrie pour faire l'État islamique en Syrie. C'est de là qu'est né l'État islamique d'Irak et de Syrie. D'accord ? Pour l'instant vous suivez. Mais après il y a eu des dissensions entre eux. Ça c'est les Khawarij anciens aussi. Entre eux ils se rendaient mécréants. Donc les Khawarij anciennement, il y avait entre eux ils se rendaient mécréants. L'entre-groupe de Khawarij, ils se rendaient mécréants les uns les autres. Et ils s'entretuaient. Et là il s'est passé exactement la même chose. Ceux qui étaient en Syrie et en Irak, ils se sont désavoués de l'allégeance qu'ils avaient à Ayman al-Zawahiri, de l'Qaïda. Et ils l'ont taxé de mécréants. Et ils ont rendu mécréants Mohamed Moussi et les frères musulmans en Égypte. Donc chez eux, plus tu rends mécréants, plus tu prends des grades. Donc eux, nous, on a dit, on va prendre des plus hauts grades. On rend mécréants les gens de chez nous. Comme ça, ça y est, on était où, on était où, ça. Il n'y a pas quelqu'un plus qui peut prendre le pouvoir que nous. Les gens, c'est nous les rangs mécréants. C'est nous maintenant les chefs. Et c'est de là que la dissension elle est née et que Daesh a été créé et Jabhat al-Nusra. Ce n'est plus resté l'État islamique qui était sous l'ordre de Qaïda, mais maintenant il y a une dissension entre deux groupes de Khariji. Et les deux sont des Khariji, que ce soit Nusra ou Daesh. Nusra, ils sont restés sous l'allégeance de Ayman al-Zawahiri et Al-Qaïda. Et les autres, qui soient disant pris le califat, ils ont déjà coupé l'allégeance qu'ils avaient à quelqu'un qui n'était même pas une allégeance halal. Donc leur allégeance qu'ils croyaient qu'il était halal, soit disant un calife, ils l'ont même pas respecté. Ils l'ont déjà rompu. Une autre réponse, certains vont dire oui, mais vous dites que c'est des Khawarij, mais ils combattent des mécréants, ils combattent Bachar al-Assad, c'est un Nusayri, et ils combattent al-Maliki, c'est un Shi'i, c'est un Rafidi. Nous, c'est pas parce qu'ils les combattent eux qu'on dit que c'est des Khawarij. Nous, on dit que c'est des Khawarij liés à leur idéologie. C'est pas parce qu'ils les combattent eux qu'on dit que c'est des Khawarij. Mais c'est parce que c'est leur idéologie, car ils sont que la suite de Qaïda, mais elles virent. Et on voit leur place et leur croyance aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont même annoncé qu'ils allaient s'en prendre après à l'Arabie Saoudite. Pour eux, le ennemi public numéro un, ce sont les salafis et l'Arabie. Ils l'ont déclaré. Même la chaîne américaine CNN, elle a dit, l'ennemi public numéro un de Daesh, c'est les Américains et leurs alliés. Numéro 2, les salafis. Numéro 3, je ne sais pas quand. Numéro 5, les chiites. Les salafis, pas quand. C'est le pire. Non. Bien sûr, car ce sont les salafis. Depuis l'époque de la fitna, ce sont les gens qui ont suivi les salafs qui se sont toujours mis face à eux et qui leur ont empêché de répandre dans les idéologies et qui a éclairci leurs ambiguïtés.
Donc voilà un complément dans ce thème contre ce qui s'est passé aujourd'hui en Syrie et en Irak. Pour mieux comprendre le lien entre tous ces gens-là. À savoir aussi que Abu Mus'ab al-Sarqawi a eu aussi, il était le disciple de Mohamed Surour Zain al-Abidin. Vous entendez parler le mot Sururi, on dit celui-là c'est un Sururi. En fait c'est lié à ça. Mohamed Surour Zain al-Abidin, qui lui aussi était un Syrien qui était en Arabie, qui a eu des idées de tekfir. Maintenant nous allons parler de leurs actes barbares. L'imam Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, qui est mort en l'an 124 de l'Égypte, a dit, ça s'est rapporté dans Sunan al-Kubra de Bayhaqi, il a dit, jamais une telle tranchée ne fut rapportée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais une telle tranchée ne fut apportée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, même le jour de la bataille de Badr. Un jour, une telle tranchée fut apportée au calife Abu Bakr al-Siddiq, il a interdit cela. Et il a interdit cela. Donc on voit que là, on voit bien que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ce n'est pas d'aller couper les têtes et les exposer et de les faire amener aux dirigeants. Il faut savoir aussi que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était amené, quand il est arrivé à une nécessité de combattre des armées, il ne combattait pas déjà des civils, des enfants, des femmes, il ne brûlait pas, il ne détruisait pas. Quand il combattait les armées, c'était des guerres réglementées. C'était des guerres avec encore beaucoup plus de règles que les conventions qui existent aujourd'hui entre les, soi-disant, entre les pays. Beaucoup plus réglementées. Et une fois qu'ils étaient prisonniers, ils n'étaient pas torturés de la sorte. Jamais la autorité de raser des gens, de raser des pays, de tuer des femmes, de tuer des enfants, de détruire, de piller. Jamais. Au contraire. Pour finir ce point-là, il faut savoir que ces groupes-là, que ce soit les Khawarij contemporains comme Daesh, comme Al-Qaïda, Al-Nusra, les frères musulmans et les Haddad. Les Haddad, c'est encore plus pernicieux, car eux sont encore plus vicieux. C'est un groupe qui se faufile et qui se cache et qui s'habille de l'habit de la salafie. Lui, il ne va pas te dire « Abu Mohammed al-Maqdisi a dit » en public. Lui, il va te dire « Cheikh al-Fawzan a dit ». Il va te dire « Cheikh Saleh al-Cheikh a dit ». Toi, tu vas entendre quelqu'un qui a les mêmes références que toi. Tu vas te dire « Cette personne-là, c'est quelqu'un sur la sunna, c'est un salafi ». Mais en réalité, ces gens-là, ils sont encore plus dangereux. Car leur poison est caché dans un beau gâteau. Il n'est pas visible. Et Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, a dit, si le faux était visible, tout le monde le rejetterait. Mais il est toujours habillé d'un vêtement de vérité pour qu'il puisse être accepté par les gens, par les musulmans, et pour qu'il puisse être trompé. En parlant de ce groupe-là, Cheikh Najmi, rahimahullah, a dit des Khawarij, des Tekfiri et les Haddad. Les amis, deux points. Les Khawarij, deux points. Les Tekfiri et les Haddad. Donc il a considéré les Haddad comme les Khawarij. Cheikh Rabi aussi l'a cité. Cheikh Mohamed Bazmoul. On lui a demandé sur les Haddad, il a dit, c'est une autre face des Khawarij. C'est une autre face des Khawarij. Cheikh Al-Haydan, hafizahullah, a dit, ce sont les Haddad qui porteront demain l'étendard des Khawarij. Et effectivement, il avait dit vrai. Aujourd'hui, avec les fitnas qu'il y a, tous les haddad cachés qui se faisaient passer pour des salafis, ils sont là en train de défendre les Khawarij et de défendre leurs idées. Auparavant, ils défendaient leurs croyances, mais d'une manière cachée.
Mais là, dernièrement, beaucoup d'entre eux se sont dévoilés en public. Ils sont dévoilés en public. Mais il y a encore beaucoup d'eux qui sont cachés, qui gardent encore cette méthode de se cacher. Comment ils commencent? Le premier pas, c'est de vous détailler des savants de la communauté. De vous mettre la haine dans le cœur envers les références parmi les gens de science. Ou le doute, ils n'arrivent pas à vous mettre la haine au minimum, ils vous mettent le doute. Et ils voulaient vous faire ronger par ce doute. C'est pour ça que Ahl Sunna, l'imam Ahmed, l'a cité. Et tous les livres de Sunna parlent de cela. Que les gens de la Sunna ne tendent pas l'oreille aux innovateurs. Ils ne leur tendent pas l'oreille. Ils ne s'assoient pas avec eux. Ils les exilent. Ils ne leur parlent pas. Ils s'éloignent d'eux. Aujourd'hui, tu ne vois pas les salafistes. Non. Je vois les salafistes discuter avec eux, polémiquer, rentrer dans les sujets. Et la personne, plus elle polémique, plus elle prend une part, ne serait-ce que 1 ou 2 ou 3 ou 5% des idées de l'autre. Et après, il reste dans le trou. Je vois des ignorants rentrer dans des polémiques, que ce soit sur Internet, que ce soit en direct, et parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Dans Majmou' al-Fatawa, dans Kitab al-Sifat, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, rapporte que un a envoyé une lettre à l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Un qui n'était pas un ignorant, quelqu'un de science, mais qui n'était pas d'un haut degré, d'un très haut degré dans la science, mais quelqu'un de science. Il a envoyé une lettre à l'imam Malik en lui demandant l'autorisation de polémiquer avec les gens de l'innovation. L'imam Malik lui a interdit formellement et il lui a dit, il se peut qu'en voulant défendre le vrai, comme tu n'as pas assez d'arguments, tu vas mal le défendre et les gens du fond vont considérer qu'ils ont raison car tu n'as pas été capable de les convaincre. Non pas parce qu'ils ont la vérité, mais parce que tu as trop peu de science pour pouvoir leur exposer. Plus tu polémiques dans les sujets, plus tu t'exposes à l'égarement. Et ça, l'imam Ahmed ibn Hanbal a dit, parmi les croyances des gens de la Sunna, ils ne polémiquent pas dans les sujets de la religion. Ils ne polémiquent pas dans les sujets de la religion. Ne discute pas avec eux. N'écoute pas d'eux. Ne lis pas ce qu'ils disent. Laisse tout ça. Prends des gens de science, de confiance. Ça te suffit. Alors ils te disent quoi? Non, tu as une raison. Il faut que tu compares. Il faut que toi-même, tu prennes un choix, tu décides. Mais est-ce que tu es armé pour comparer? Est-ce que tu es armé pour répondre à toutes ces ambiguïtés? Et en faisant cela, tu contredis le genre de la Sunna. L'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, quand un innovateur il lisait le Coran, il récite le Coran, il se bouchait les oreilles. Effectivement, aujourd'hui, si tu écoutes des gens égarés dans des bonnes choses qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'après tu seras objectif pour dire qu'il est égaré de prendre une position comme l'islam veut face à lui? Non. Car la nature, la saine nature, Allah il a fait l'être humain, qu'il est reconnaissant envers la personne qui lui a fait du bien, qui lui a donné du bien. Quelqu'un qui t'a enseigné un bien, c'est normal que tu sois reconnaissant envers lui. Donc ça va t'empêcher d'être objectif. Serviteur d'Allah, toi qui veux être sur la Sunna, toi qui veux être préservé, arrête de regarder les vidéos sur YouTube. À moins que ce soit une parole d'un savant traduit par des gens de confiance. Sur des sites tenus par des gens de confiance. Pourquoi vas-tu sur des sites inconnus? Inconnus, on ne sait pas qui est derrière. Pourquoi ouvres-tu des vidéos dont tu ne sais pas qui a fait la vidéo? Vous savez tous très bien comme moi que les coupures, maintenant tout le monde peut faire des coupures et des montages audio et vidéo. Tout le monde. Et ils ont fait ça. Il y a eu plusieurs tromperies. Il y a même une mu'assasa, la fondation, en Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est une fondation
régionale, même internationale, autour au nom de Cheikh Al-Uthaymeen, ils ont trompé dans ses livres. Ils ont enlevé tous les passages où Cheikh Al-Uthaymeen, il encourage à obéir au gouverneur, et tous les passages qui critiquent les Khawarij et les manifestations et tout cela. Et il y a des audios et des vidéos où il y a des tromperies et des coupures des paroles de savants répandues, et encore plus en français. Enfin, je ne vous parle pas des traductions côté. Mais pourquoi écoute ? Tends-tu l'oreille à tout le monde ? Pourquoi ? Veux-tu t'égarer ? Veux-tu perdre ta religion ? Veux-tu mettre ta religion en danger ? Crains Allah ! Crains Allah ! Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'oula. Prends ta religion des gens de confiance et délaisse tout le reste. Ne les écoute même pas, ne leur prête pas attention. Il vient te parler, tu bouges les oreilles, tu marches. Pourquoi tu veux perdre ton temps, ton énergie? Pourquoi tu veux mettre en danger ton capital qui est ta religion? Pourquoi? Donc YouTube, Twitter, Facebook. D'ailleurs, ils sont très très actifs, les textiliers, les khawaris, tous les innovateurs sont actifs sur Internet. Car face à face, tu les vois parfois sur Internet, c'est vidéo. Quand il vient devant toi, tu en penses pas que cette personne-là sur Internet, il insultait, il parlait. Il y a des gens, ils ont fait des textes, des redoux, des insultes, des savants. Je l'ai au téléphone, je dis allô, je lui parle en arabe. Il me dit non, parle-moi en français. Je dis Afri, tu parles de choses énormes, c'est des points précis dont on est en train de parler. Des points dans la croyance. Il me dit non, je comprends, mais je parle pas. À partir de ce moment-là, j'ai perdu l'envie de parler avec lui. Ça y est. Effectivement, derrière Internet, tu les vois des gens, ils font des vidéos, ils font des réponses à des grands ulamas, ils mettent en cause tout et n'importe quoi. Et il y a des centaines et des milliers de gens qui les écoutent et qui les regardent. Pour finir, barakallahu fikoum. Al-Hassan al-Basri a dit, une fitna, un trouble, quand il vient, quand il s'approche, les savants le reconnaissent. Mais une fois qu'il est passé, tous les ignorants, ils le reconnaissent. Les troubles qui viennent, avant qu'ils viennent, avant qu'il y ait les révolutions, les problèmes, les troubles, les manifestations, l'étardement dans lequel étaient les pays musulmans. Est-ce qu'on n'entendait pas les savants crier haut et fort que c'est interdit, que c'est grave, que c'est dangereux, craignant Allah, arrêtez. Et qu'est-ce qu'on entendait de l'autre côté? Vous êtes les savants du trône, vous êtes les vendus, etc. etc. Regardez aujourd'hui. Regardez l'état du monde musulman aujourd'hui. Est-ce qu'il est pire ou mieux qu'avant les révolutions? Personne ne peut dire qu'il est mieux. Tout le monde sait qu'il est pire. Largement pire. Une fois que la fitna est passée, tout le monde en voit les méfaits. Mais quand elle arrive, il n'y a que ceux qui sont doués de science, ceux à qui Allah a donné cet héritage, les héritiers des prophètes, qui peuvent, qui reconnaissent les signes du danger et qui mettent en garde la communauté. Donc il est nécessaire aux musulmans de ne pas devancer les héritiers des prophètes et de se ranger derrière eux et de leur obéir sous l'obéissance d'Allah. Bien sûr, on ne dit pas que nos savants sont préservés de l'erreur. Parce que les gens disent ça. Ah, est-ce que c'est un prophète? Alors il est préservé de l'erreur. On ne dit pas ça. Mais si lui n'est pas préservé de l'erreur, alors toi, tu es préservé de l'erreur. Si lui, il a une chance sur 100 de se tromper, toi, tu en as 100 sur 1. Toi, tu en as 100 sur 1. Parce qu'il y a un ignorant. Donc, c'est moins probable que lui se trompe que toi. Premièrement. Deuxièmement, s'il se trompe, alhamdulillah, les autres savants de la sunna sont là pour corriger le tir. Et dans ce cas-là, on prendra parmi les paroles des gens de la sunna la parole la plus juste. Donc il n'y a pas de mal. Il n'est pas seul, il n'y a pas un savant. On n'est pas comme chez les chrétiens, le pape, il décide pour tout le monde. Ça n'existe pas chez nous, alhamdulillah. Donc si un grand savant de la sunna se trompe sur un sujet, les autres savants de la sunna sont là pour répondre et pour dire qu'il s'est trompé sur ce sujet, voilà la réalité. Et voilà, alhamdulillah, l'affaire est réglée. Donc, obéissons à l'ordre d'Allah Ta'ala. Afi'ullah wa afi'ur rasoula wa ulil amri minkum. Les mufassirun, ulil amri minkum, ils ont dit quoi? C'est qui? Mujahid a dit, ce sont les gouverneurs et les savants.
صلى الله عليه وسلم a dit إن العلماء ورثة الأنبياء. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé ni dinar ni dirham en héritage, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris la plus grande part en islam. Donc rangeons-nous derrière les savants comme Allah nous a ordonné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. En leur obéissant, sous l'obéissance d'Allah et son messager, bien sûr. Ils n'ont pas une obéissance absolue. Et d'ailleurs, si un savant fait une effort d'interprétation ou de déduction et se trompe, il a une récompense. Et s'il fait un effort d'interprétation ou de déduction et il a raison, il a une double récompense. L'imam Sidi Ali, rahimahullah, a dit dans le tafsir de فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il a parlé de cela. Il a dit, cela veut dire par là que si tu ne demandes pas aux gens du dhikr, tu es pécheur. Et cela veut dire que si une personne qui n'est pas quelqu'un du dhikr, quelqu'un qui est apte à répondre, il répond, même s'il répond juste, il est pécheur. Car il n'est pas le même du dhikr. وقل رب زدني علما.